Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une extension du Dixit. Les énergies ne seront pas interchangeables. Une femme reste une femme. Je rappelle également que les messages ne s'adressent pas au plus grand nombre. Il est possible que la guidance ne vous parle pas. Donc, soit la guidance vous parle dans son entièreté, ou alors, ben, ça n'est pas pour vous. Première carte. La deuxième. Et la dernière. Alors ici, je ressens qu'on a essayé de communiquer avec une personne, une femme, sur des plans subtils. Mais j'ai pas le ressenti que ça intéresse la femme en question. J'entends partie. J'entends aussi que la communication doit être plus franche et verbale. La carte. La carte du dessus, c'est celle-ci. Je ressens vraiment que vous essayez d'appâter la personne avec rien au bout de l'hameçon. Et ça ne risque pas de prendre. Et on vous dit de ne pas être dans la manipulation non plus. La carte. On insiste ici sur un pictogramme de sortie. Peut-être ici que vous attendez des nouvelles ou vous restez à attendre des instructions. J'ai le ressenti ici que vous attendez peut-être des instructions, que vous êtes dans une forme de passivité. On insiste sur une personne qui aurait, j'entends les cheveux bouclés. On fait comprendre qu'il faut maintenant passer la porte de sortie et agir, voyez, mettre votre corps en mouvement. Alors il y a de la réflexion, c'est bien, mais il ne faudra pas que ça dure trop longtemps. On me montre des douleurs physiques, mais pour moi, c'est du côté de la femme. Alors, j'entends atroce. Mais j'ai l'impression que ça va mieux maintenant. On me montre quand même l'infirmière ou le médecin. Et j'ai envie de dire, heureusement que la personne avait quand même une protection, parce que ça aurait pu être grave, plus grave. Et ça fait suite à des manipulations énergétiques. Alors, je ne sais pas si c'est la personne qui a fait le travail, mais je ressens quelqu'un qui est aux trousses ou alors qui piste, qui essaie de savoir ou avoir plus d'infos concernant cette situation. J'entends une personne de l'entourage. Peut-être quelqu'un qui peut essayer de venir aux nouvelles par l'écrit. Donc on vous dit de prendre vos précautions. Parce que je ressens que c'est une femme qui peut venir à vous, l'air de rien, pour prendre des nouvelles, mais c'est juste, j'entends une maquerelle.
Alors, je ne sais pas si vous avez l'intention d'écrire quelque chose à cette personne. On ne donne pas plus d'informations à ce sujet. De me dire si c'est bien ou pas, je ne sais pas. Ça reste votre libre arbitre. Dans tous les cas, ça n'empêche que la personne aura un choix sur le plan affectif. La carte. Pour moi, cette personne est en réparation. À la suite d'une manipulation énergétique par une personne plus âgée que vous, qui a complètement mis à plat les énergies de la femme. Et je ressens une femme, hein, qui a fait le travail. Voyez, j'ai cette idée un peu d'incubateur. Incubateur d'énergie où on essaie de reprendre des forces. La carte. Dans certains cas, j'ai ce ressenti que vous pouvez avoir des douleurs sur la région sexuelle. On vous dit d'aller voir un médecin, que ça fait suite, voyez, au travail énergétique qui a été fait par la femme, là. Alors, soit il y a des rougeurs, ou alors il y a cet effet de chaleur ou de douleur, voyez, de quelque chose qui est un peu lancinant, là. Et on vous dit qu'il faudra travailler sur votre chakra racine pour l'équilibrer à nouveau. Je ressens dans certains cas qu'on a trouvé peut-être une, j'entends une porte de sortie, quelque chose de temporaire, une solution d'hébergement. Alors j'ai le ressenti que vous pouvez trouver chez l'habitant, par contre attention quand même, où vous mettez les pieds. Attention quand même où vous mettez les pieds parce qu'on me montre le renard. Vous voyez, de quelqu'un qui pourrait essayer de sonder et savoir qui vous êtes, pour ne pas tomber dans un autre travers. Et on me dit qu'on a terminé pour ce message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.